D'avoir quelque chose d'un minimum propre. Voilà. Oh, on commence à vivre dans quelque chose d'un peu plus potable. Alors, remarque en soi, si j'avais du bois de bouleau, sérieusement, le sol, je serais fait en bois de bouleau. Là, on va la mettre en cobble et le reste en cobble. Là. Pour le toit, on va pas utiliser du bois, on en manque toujours. La cobble, ça m'ennuie un petit peu de. Oula. Attention les dégâts dessus. Ouais, un dixpé, allez hop, qu'est-ce qu'on a, un tranchant, génial, donne-moi deux niveaux. Ok, deux niveaux. Passe-moi la tranchant. Mais est-ce que j'ai un autre tranchant? Ouais, j'ai un autre tranchant 2. Passe-moi 5 niveaux. Passe-moi 10 niveaux maintenant. Ouais, tu auras pas assez. Allez. Hop. Bon, je sais, la cobble c'est moche, mais bon, c'est la déco du pauvre, hein. Je vous rassure. Je vais pas aller farmer de l'ardenite clé ou quelque chose comme ça, sachant que je n'ai pas de biome Mesa à proximité. Et vous avez vu la grandeur des biomes de cette map. Franchement, je suis pas très très bien tombé de ce point de vue-là. Donc, m'excuserai, mais je fais avec le moyen du bord. Et hors de question que j'utilise du charbon. À rien pour me faire de la stone comment dire de la stone mais de la belle stone de la stone brick. Il en est strictement hors de question. Je commence à avoir quelque chose.
Pour le toit, je sais pas encore qu'est-ce qu'on mettra. On mettra quelque chose. Ben, au sous-sol, de son, on mettra de la cobble. Ça, tu me stresses. Voilà. Ici. Je vais penser à remplacer. Ouh, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose ici. Donc on risque pas grand chose, il n'y a pas de mob qui pourrait remonter. Mais il y a quelque chose ici. Bon à savoir. Enfin, on va laisser ça comme ça. On risque pas grand chose à laisser ça ouvert. Enfin, mais quand même. Hop. Ça donne quoi ici? Vous dormez les mecs ou... Ok. D'accord, un team. Allez. Ouais, pour le toit, je sais pas ce qu'on va faire. Des blocs de charbon? Non, je déconne. Ouais. Oh, pour un minerai de fer, ça vaut pas le coup. Non, franchement, je suis assez content de mon usine à XP, elle est assez belle, je trouve. Enfin, après, tout est relatif, hein, mais bon. Voilà. C'est magnifique. Bon, il y en a un qui va mourir, hein, certainement. En plus, normalement, vu que c'est tapé, il devrait quand même me dropper l'XP. Ah non. Ok, 9 XP, je trouve ça, allez-y, invitez-vous. Ouais, donc j'ai deux tranchants, j'ai également deux protections. Donc les deux tranchants niveau 7 et les deux protections 2, il faut combien? Il faut 5 niveaux. Pour avoir des P3, tranchant 4 et on s'approche. On va l'avoir notre tranchant 5. Protection, on va aller jeter un petit peu notre merde là parce que ça notamment, ça on va le remonter parce que, voilà. Ça on va le laisser là, les bâtons, ça ne sait pas. Ça va pas nous être utile. Parce que c'est ce qui m'empêchait d'explorer un petit peu ce qu'on avait là. Donc on va le faire. Attendez, on va organiser un peu mieux l'inventaire que ça parce que... Bon.
Donc il y a du charbon ici encore, mais du charbon c'est bon, j'en ai assez. Le fer me serait plus intéressant. Tiens, voilà. Oh non, me dis pas que... Ah d'accord. Il y a du piopol ici. Qu'est-ce qui me fait lui? Mais tu sors d'où toi? Sors de dessus? Ben non, c'est pas logique. Mettez-le d'ici avant que ça parte en cacahuète. Allez, rebouge ça, il y a avec un peu de fer à récupérer et c'est tout. Ok, je vais juste reposer une torche. Oh, je sais avec quoi on va faire le toit. Je sais avec quoi on va le faire. Je viens de trouver. Je crois qu'en 1.7 c'est pas encore craftable, mais par contre j'en ai récupéré. Ça fait un peu dégueulasse, mais ça c'est pour bien voir que c'est de la jungle qu'il y a au-dessus en fait. Vous voyez, ça fait vraiment. Les racines ont commencé à prendre possession du toit. Je trouve ça pas trop mal dans l'idée. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien perso. Ça fait... Oui, si, ça fait style... voilà, les racines de la jungle, tout ça. J'ai pas envie de tomber là-dedans, surtout. Est-ce que j'en aurai assez? Ah, il va manquer. Non, c'est bon. Oh, pile poil le nombre. Pile poil ce qu'il me faut. Eh, franchement, si c'est pas de la chance ça. Sinon, il y avait aussi un spawner à... Dans mes souvenirs, j'avais découvert aussi un spawner à araignée, mais je sais plus où il est. Mais le spawner à araignée, de toute façon, oublié, hein. On n'arrivera pas à en faire une ferme à XP. Une ferme à pile, on peut le faire avec une lame de lave, vous savez, une boucherie. Mais voilà, moi je préfère vraiment ce truc à lave. Allez, 5 niveaux. P3. Alors attendez, on a pour le moment 2 P3. On en a un à la base et on en a un ici. Enfin, on a déjà enchanté un P3. Ok. Et là, on va avoir nos deux tranchants. Je crois que c'est 10 niveaux. On va peut-être les avoir ici. Rêve toujours.
Ok. Et galère. Bon, bah, pas grave. De toute façon, je vous dis, ça, c'est la déco, c'est juste pour gagner un peu de temps, hein. C'est pas du tout pour quoi que ce soit, c'est juste histoire de gagner un peu de temps. Pour l'XP, même si bon, bah là, j'utilise du fer un petit peu inutilement. Au moins, on a un beau truc, et puis, c'est classe, quoi. Si, c'est stylé. Juste rapidement, je sais pas, non non non, on va rester à proximité pour faire farmer le, enfin pour faire spawner la ferme quand même. Pas déconner. C'est pas qu'on est bloqué, mais presque ici en fait. On va repartir, donc là il nous faut 10 levels pour faire pour fusionner je sais plus quoi, voilà, pour fusionner nos deux tranchants, et après on en aura fini avec les tranchants. Je les ai même pas pris sans moi, ils sont dans le coffre, hein, de toute façon. Sinon on a récupéré pas mal de stuff, hein. Mais bon, rien de bien potable de toute façon. Si en remplacement, ça serait sympa, c'est en remplacement si jamais j'ai un équipement qui claque, comme par exemple il y a un casque en or là-dedans. Ouais, bon, il est pas enchanté, mais bon, il y a des casques. Bon. Éventuellement voir, quoi. Allez, nos deux tranchants 4, et on va voir notre tranchant 5. Ok. Donc ça sur une épée en diamant. Non, sur l'arc qu'on se fera. Ma puissance 5 et tranchant. On peut déjà se faire l'arc si on veut. Pas avec cet arc-là, on se refera un. On doit en avoir un à la base. Il me reste deux livres, enfin il me reste deux niveaux. Ça veut dire deux livres. Protection 1, nickel. FSP 1, on s'en fout. Ouais, FSP 1, allez. Voilà. Mais on va privilégier là, c'est les protections. On va privilégier ça. Bon allez. J'ai besoin de niveau. Allez, il y en a bien qui va claquer, arriver à un moment. Voilà, quand même, pas trop tôt. Voilà pourquoi c'est un peu plus long sans le crusher à lave. Hein. Allez, protection de vue.
Non, bah c'est cool, ça arrive 3 par 3, ça arrive. Écoutez, je crois que de toute façon, je vais faire un AFK ici. Je crains rien ici, de toute façon. Juste vérifier ici. BL10. Oh non, je risque pas de spawn ici dans mon dos. Ici, c'est les dalles, donc je risque rien. Ici, BL10, donc c'est bon, j'ai la torche de resting qui est en permanence allumée. Ici, c'est fermé. Ici, ouais, voilà. Ici. Ah, BL7 ici, sur mon four. Ici, j'ai un BL11. Si j'ai rapproché la torche d'un, normalement. Non, j'ai toujours un BL7 ici. Ça va pas ici. Là, j'ai un BL8, voilà, avec une torche ici. Allez, je sens le piège avant de nous quitter. Non, pas de creeper ce coup-ci. Bon. Parce que j'ai juste les espacer quoi, je peux pas les fusionner parce que sinon ça me stresse. Bon, en fait non, on va franchement rapidement encore. Ça va être ça, hein. Ça va être ça tout le long. Protection 1. Ah, cool. Puissance, on s'en fout. Puissance, on s'en fout. Protection 1. Tout ce qui est affinité aquatique on s'en fout et tout ce qui est puissance on s'en fout. Résultat, on a deux protections. On va attendre un petit peu mais on a deux protections. Deux protections, attendez que je regarde. Alors deux protections qui vont nous donner une protection 2, ce qui va nous donner ouais, ici on va avoir un protection 2, donc ça va nous faire un protection 3, et on va récupérer notre deuxième P4 avec ça. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon, on va essayer comme ça, on verra bien. Ce qu'il faut, c'est juste deux niveaux. Faites pas vos radins. J'ai peur qu'ici il y ait la lumière qui passe quand même. On va. Tant pis, on va. On va retailler ici. Alors, ça éclaire pas des masses, hein, mais ça éclaire un peu quand même. Donc on va. Hop, voilà. On va quand même refermer. Je sais pas si ça joue, si ça va réellement jouer sur le niveau de spawn. Mais ça, j'aurais trouvé ça sympa d'avoir un visuel sur ce qui se passe dedans en fait.
Canada là. On a notre tranchant, hein. Ouais, donc ça, tranchant, rien à secouer. Bah écoutez, moi de toute façon, je vais aller manger, et puis bah, je fais un AFK ici, et puis bah, quand on reviendra, il y aura plein de mobs ici. Voilà, donc et ben, hop, je fais ça, et puis ben, à tout de suite. Oh, salut, donc c'est le bordel. Les mobs font un max de bruit. Attendez, j'avais dit qu'il fallait que je regarde mon disque dur et puis on va écouter ça ensemble. Attendez, je regarde juste l'état de mon disque dur. Oh, on a encore un peu de temps. Donc là, moi, je reviens de manger, donc ça a tourné pendant à peu près une heure. Et c'est un peu le bordel. Voilà, c'est un peu le bordel. Donc, avec créature hostile, on va diminuer. On va mettre à 25%. Voilà. Allez, voilà. Ok, il y avait un dernier glitch. Allez, on va crocher tout ça. Et on va se faire des enchantements. Ok. On va s'arrêter tous les 10 niveaux pour économiser. Ouais, parce qu'on peut pas. On a protection 2 direct. Ok. Protection 1. Le tranchant on s'en fout. Pas protection 1. Ouais, les tranchants on s'en fiche. Et l'efficacité, je sais plus ce qu'on disait. Ouais, il nous faut une efficacité quand même. Ok, allez, de niveau. De niveau pourquoi pour les deux protections ici. Un niveau de protection. Ah, aïe, là on est embêté. Là on est dans le caca. Vous savez quoi, tant pis. Bon, c'est un peu le bordel, hein. On va de toute façon terminer là-dessus avant que mon disque dur, ça va être top, parce que je disais qu'il reste encore un peu de temps, mais pas des masses.